Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de ma carrière joueur, du coup, toujours avec Venezia, peut-être pas pour longtemps, on va voir un petit peu au niveau des offres, parce que souvenez-vous, on était arrivé au terme de cette saison et on avait donc fini second avec un dernier match complètement raté qui nous avait coûté cette première place. On monte quand même en Serie A, ça c'est le bon point, on va dire, de la vidéo. Mais ouais, c'est vrai que ça fait chier. On aurait voulu emporter ce titre avec nous. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les points de compétence, entraînement, info. En tout cas, j'espère que vous, ça va, les gars. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager hein, si mon contenu vous plaît. Ça ferait super plaisir. On approche très grandement des 1000 abonnés, qui est l'objectif depuis le début de la chaîne. Donc franchement, ça fait plaisir que ça progresse aussi vite, on va dire, surtout en ce moment. Donc merci à vous. Ensuite, au niveau des infos, j'ai vu pas mal d'infos, notamment, ok, on est élu joueur du mois d'avril grâce à ses performances exceptionnelles. Ok, c'est nickel. Et regardez juste en dessous, joueur de la compétition. La récompense de joueur de la compétition a été décernée à Jeffrey, donc c'est parfait. On est le meilleur joueur de série B, même si on s'en doutait un petit peu. Hein, l'écart au niveau des buts qu'on va aller voir maintenant, il est énorme. Donc franchement, si j'avais pas là le trophée, franchement, c'était bizarre. Où est-ce que c'est normalement? C'est là, non? Premier. Ah ouais, ok. On finit donc. Ah putain. Voilà, il manquait juste le but de la victoire qui nous aurait fait également le 40e but, mais bon, c'est pas grave, les gars. On finira la compétition avec 39 buts en 38 matchs. C'est quand même exceptionnel. Il y a un gros écart rien qu'avec le second. Donc, franchement, c'est bien. On tourne à plus d'un but par match, on peut le dire. Bon, à un but de plus, mais bon, c'est déjà bien. 12 passes D, c'est pas mal du tout. On est également meilleur passeur, du coup, à égalité avec Bougio. C'est sûr qu'il en a fait des passes D. Pour moi, Bougio, ça on peut pas lui enlever. On est également en Coupe d'Italie. Je sais pas si j'avais marqué. Ouais, quatrième. 3 buts, ok. Et est-ce que j'ai fait des passes? J'ai pas vu. Je ne pense pas. Non, j'ai pas l'air d'avoir fait de passes, ok. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est quoi? Coupe. Ah ouais, ça c'est en. En début de saison, on va dire, j'avais mis un petit but et 3 passes D. C'est ça? Non, un but, pardon. Non, passe D, putain, je me perds. Passe D au niveau des buts. J'en avais mis, je pense, non? Je sais pas. Bon, en vrai, ça, on s'en fout un petit peu. Ça, on n'y est pas. Après, ça, c'est toutes les compétitions auxquelles on n'a pas participé. Il y avait juste la Coupe d'Italie en plus, on va dire. En tout cas, meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur passeur. On a tout, les gars. On va aller se mettre les points de compétence et on va tranquillement se diriger vers la fin de saison. Hop. Qu'est-ce que je voulais mettre? Je pense qu'on va continuer niveau dribble hein, parce que c'est vraiment là où j'ai l'impression d'avoir des défauts, on va dire. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être, je ne sais pas. Emplacement offensif, pas la peine. Contrôle du ballon, je pense. Placement offensif et agilité. Et placement offensif et équilibre, à mon avis. Ah non, j'en ai plus, ok. Ok. Est-ce qu'on a passé la barre des 80? On a passé la barre des 80, les gars. La première barre. 80 de général. C'est bien, ça augmente pas si vite, on va dire. Ça augmente vite, mais pas énormément. Bon, maintenant, on va simuler. Je vais essayer aussi de m'entraîner. En même temps, je pense qu'on va partir, hein, les gars. Là, c'est la fin de saison. Je pense retrouver un autre club parce que c'est bien Venise, mais 2 secondes, j'ai pas beaucoup de passes. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour. On les a montés en Serie A, c'était l'objectif. Voilà, maintenant, on n'a pas comme objectif de gagner la Serie A. C'est sympa d'avoir pu se voir l'autre jour et c'est avec plaisir que je constate que tout va bien avec ton club. Tu as signé un contrat qui te met à l'abri pour plus tard, mais c'est peut-être maintenant qu'il faudrait envisager de travailler un peu plus ton argent. Le moment est clairement venu d'investir une bonne partie de la somme qui dort sur ton compte bancaire. Ok, je veux que j'investisse, on va voir ça. Et combien de 250 000? Vas-y, allez, on va
Investir, on va monter une équipe e-sport. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va lancer ma ligne de vêtements. Et on va. Ouais, c'est tout. En termes de boutique, qu'est-ce qu'on a? Engager un professeur de. Ok, je voulais juste voir c'était quoi, mais bon, on l'a commencé. Tant mieux. Engager un entraîneur personnel, ça c'est pas mal. Ah mince, on peut pas, putain, il manque des points. Et après, rendre visite à un coéquipier blessé. Vas-y, on va aller le voir, on est gentil, je sais pas qui est blessé, mais on arrive. Ok, vous êtes élu. Vous êtes le joueur du mois, comment ça? Bon, je comprends pas, mais. Et après, demander une augmentation. Vas-y, on se la demande. Hein. On se prend un petit peu de sous. Je pense que là, je la mérite largement. Pause estivale, une pause entre coéquipiers. Lire le livre d'une légende du club. On va partir en vacances. Avec des amis pour oublier un petit peu les coéquipiers qui sont pas très présents au niveau des passes, malheureusement. Du coup, on va profiter avec les amis. Peut-être qu'ils me feront plus de passes. On va continuer encore une fois, les gars. Qu'est-ce qu'on va avoir d'important? Là, je sais pas, on est en quoi en août, là? Du coup? Ou juillet? Je sais même pas. C'est marqué 7, 8, 9, mais. Pas de date. On va essayer de voir. Hein. Il va avoir, je pense, une notification là dans pas longtemps. Alors. Ok, peut-être maintenant. Ça a l'air de ralentir. Ok, fin de saison, les gars. On aura terminé du coup second de série B. Troisième tour de Coppa Italia. C'est vrai qu'on partait bien, mais on s'est vite fait calmer. Et les poules en coupe européenne internationale. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir? Je ne crois pas. Peut-être un dernier entraînement avant cette fin de saison. Voilà. Et on est parti. Fin de cette première saison. Continuez. On n'a pas de mail. Le football. Pourquoi nous l'aimons? Ok. Un petit article à lire. Pendant ce temps de chargement, on va dire. Ok. Enfin, ça a fini de charger. Putain, ça fait un de ces bugs. Vous avez vu les gars derrière, là où il y a les 5 joueurs. Il y en a un, je sais pas où il les met les bras à chaque fois, mais. Putain. En tout cas, regardez où on est. Ah non, ça c'est là. Je me disais, il y a un problème, il y a Cologne. Je croyais que c'était la Serie A. Alors, première étape, les gars. Demander mon transfert. Je sais plus où c'est. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. Je pense, non? Non. Ok. Peut-être dans mes actions. Ouais. Ça a l'air d'être là. Demande de transfert. Très heureux. Ouais, ok. On a 22 ans. Demande de transfert. Rôle crucial. Bon, je pense pas qu'il va accepter directement, à mon avis, le coach. On va voir ça. Ce qu'il en pense. Mais bon, perdre, à mon avis, le meilleur élément. Sans bien sûr être trop égoïste. Je pense pas que ça lui plaise, franchement je vais pas jouer les matchs hein, je pense. Il m'a pas répondu encore, il met du temps. Putain, je sais même plus où c'est pour les notifications. Ouais, voilà, celle-là. J'ai étudié. Oh là là. Ça m'aurait pas étonné. Hein. Et après j'ai quoi? Ça. Ok, on s'en fout. On va du coup redemander. Accueil équipe. Demande de transfert. S'il est pas content, je prends ma retraite. C'est bon. Bon, déjà là on va simuler, je vais pas jouer le match, ça c'est sûr. Hop. Est-ce qu'on peut au moins? Oui. Ok. On simule le match, on a fait match nul. Est-ce que je suis maintenant sur la liste des transferts? Votre récente demande. Ah là là, il va pas tout le temps s'y opposer. Allez, accueil équipe, on est reparti. Troisième demande. Espérons qu'à la dixième il accepte. En vrai, non, je pense pas que je vais prolonger. Ça sert à rien. Après, si j'ai pas de bon club, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. Hein. Je pense que je vais avoir des bons clubs. C'est quasi sûr. Hop, notification. Il va en parler.
Tac, on va encore une fois passer ce match amical. Voilà, ça c'est fait. On va continuer. Et après, je vais me réentraîner parce que c'est vrai que là, ça fait un bail. Est-ce qu'il m'a répondu? Allez, votre récente demande. Ok, il me l'accorde. On va voir un petit peu les offres maintenant, les gars. Samedi 29 juillet. Donc, on a un mois et 2-3 jours en plus. Ok. On va par contre s'entraîner parce que c'est vrai que là, on perd beaucoup de forme. C'est même pas pour être titulaire, mais putain, c'est vrai qu'il faut refaire à la fin de la saison. Hop, on va se mettre un parcours de dribble. On va également se mettre les passes, semer et centrer. Et enfin, le plus important, les tirs, battre le gardien. Voilà, tout simulé. Ça, c'est fait. Ensuite, on va du coup simuler un petit peu. On a déjà passé ce match. Hop. On joue Perugia. Ok. En tout cas, ils ont perdu. Effet match nul. Et ils reperdent. Je veux pas dire que c'est pas parce que j'y suis, mais. Que c'est pas parce que j'y suis pas, pardon, mais bon. Par contre, ce serait bien qu'ils me les envoient les demandes. Ah ouais, ok. Offre de transfert. Oh. Pff, Manchester United, les gars. En vrai, je pense qu'on va pas accepter pour l'unique raison que on avait déjà été à Manchester United lors de d'une de mes dernières carrières. Si je me souviens bien, ouais, je suis quasi sûr. Donc, je rejette directement, moi j'en ai d'autres. Mais si United me demande, alors j'imagine même pas. Ça m'aurait pas étonné, hein, les clubs anglais qui viennent me demander de rejoindre leur club. On a la Juventus. Ah ouais, non, non. Impossible. Franchement, si je reste en Serie A, je reste à Venise, ça c'est sûr. Putain, en vrai, ça peut être stylé, mais je pense qu'on va perdre tous les matchs, les gars. C'est ça le problème. Ouais, non, impossible que je rejoigne la Juve. Je peux pas jouer contre Venise. On les fait monter, c'est pas pour jouer contre, hein. D'ailleurs, je sais pas si là au classement, on voit. Ouais, putain, regardez, on se retrouve avec Venise. Ça fait plaisir, hein, de les amener au sommet. Il y a du Fiorentina. Juve, Inter, Milan, Naples, Rome. Il y a pas mal de monde et nous on est au milieu. On va continuer encore un petit peu, on va en avoir. Oh les gars. Mon club de cœur, vous le savez, le Barça, 160 000 par semaine, putain, pour un club qui est en crise économique, 160 000 par semaine, c'est bien. Mais j'ai pas envie de sauter les étapes en fait, franchement, je pense. Peut-être un peu trop rapide le transfert en passant de Venise au Barça. J'hésite énormément. On va attendre. Franchement, je sais pas. On va avoir peut-être une autre offre. J'aurais aimé un club, on va dire, de qui finit cinquième, vous voyez, pour pas non plus sauter les étapes trop vite. Mais bon, putain, ils auraient pas pu me proposer mieux. Ok, ben je crois qu'on peut déjà plus l'accepter, non? Ok, je crois que je peux plus l'accepter, il me semble. À moins que ce soit à l'autre offre qui me présente. Donc, on va. Je pense que les gars, on va se laisser 3 matchs de champion. Ah, ben ouais, ben nickel, 2 matchs. Ouais, nickel, nickel. Ok, c'est pas grave, on loupe les premiers. Ok, j'allais dire, est-ce qu'on réalise l'exploit de battre Naples? Franchement, pas du tout, on s'est fait trouer. On va du coup continuer. Pas d'autre offre, ok, oui. Bilbao. Pareil, putain, Bilbao, j'ai été. Oh, putain, ouais, c'était un bon club, hein. Voilà. J'aurais dit un club comme Bilbao, c'était bien, mais j'ai été, déjà. Non, Bilbao, c'est pas possible, putain, c'est bizarre qu'il m'ait enlevé le Barça, hein. C'est grave. Franchement, on a des bons clubs, hein, par contre. Bilbao offre 98 millions, putain. Ah ouais. Non, pas froid aux yeux. Hein. Écoutez, je pense que ça va se jouer autant, à mon avis. Hein. Hop, on simule. On a perdu 2-1 face à la FIO. Allez, tout va se jouer maintenant, les gars. Autant
Putain, imaginez, j'ai pas d'offre, ce serait con. Cela serait vraiment con. Ok, on a une offre. Chelsea. Ah, c'est pas mal, Chelsea. Chelsea, c'est pas mal. Hein. 130 000 par semaine, bon, ça, on s'en fout à la rigueur. Mais ça fait aller en première ligue. C'est pas non plus Manchester City, on va dire. Angleterre, en plus, c'est pas mal. De toute façon, où j'aurais pu aller d'autre? Espagne, je pense que quand on ira en Espagne, les gars, j'irai directement au Barça. Je pense que ce sera mon prochain club ou quoi. Ensuite, Angleterre, là, Chelsea, on est dans ce qu'il faut. Dans mes critères, on va dire. Ensuite, Italie, on a dit qu'on voulait pas rester. L'Allemagne, franchement, à part Dortmund, à la rigueur, le Bayern, c'est trop fort, on va dire. Donc, et après, ouais, il y a la Ligue 1, c'est vrai, mais. Ligue 1, ouais, il y a la Ligue 1. Mais bon, Chelsea, c'est pas mal. Je pense que je saute 2 heures. Et si il n'y a rien d'autre, je vais à Chelsea. On part sur ça. J'espère qu'ils vont pas me l'enlever cette fois. Est-ce qu'ils me l'enlèvent? Non, pitié. Ok, je l'ai toujours. Dernière heure, les gars. Hop. Ok, pas d'offre. Pas d'offre. Est-ce que j'ai quand même toujours celle de Chelsea? J'ai celle de Chelsea, les gars. On va y aller. Je pense. Ouais. On va signer là-bas. Je vais dire quand même un petit au revoir. Un petit adieu à mes coéquipiers. J'espère que je leur ai bien servi. Ils vont se retrouver là. Ouais, ça va être compliqué pour eux. Ils ont 0 points pour le moment de match. 2 défaites. Ça fait mal. Je leur souhaite au moins le maintien. Moi, je pars vers les plus grands. Vers Chelsea. Pour tenter. En plus, c'est vrai que c'est pas un club qui... Enfin, c'est pas le meilleur club de première ligue. Donc, c'est nickel. On signe là-bas, les gars, direct. Petit coup de signature. Pourquoi nous l'aimons, putain. Mais on l'aura lu, cet article, aujourd'hui. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ouais, je pense que c'est le bon choix, Chelsea. Je voulais une équipe comme ça. En première ligue, je sais pas qui j'aurais dit d'autre, ok. La petite scène de début. J'arrive en costard. Salut, coach. Ou je sais pas si c'est le coach adjoint. Ok, il nous fait visiter les locaux. Salut Christophe Jallet, ça va ou quoi? Ok, petit coup de vélo pour tester mes aptitudes physiques. Ça a l'air d'aller, on transpire un petit peu. Et du coup, la présentation magnifique. Putain, c'est bien ce qu'ils ont fait, ça c'est stylé. Ça c'est très stylé même. C'est Lampard qui est coach. Logiquement, j'arrive en tant que remplaçant. Franchement, je comptais pas arriver en tant que titulaire. Faut que je gagne ma place. On est troisième au championnat. 2 victoires. 1 match nul. On va voir un petit peu au niveau des notifications. Est-ce que j'ai quelque chose? Non. Pas pour le moment. Je pense qu'il faut que je refasse mes entraînements. Ouais. Hop, on va les remettre. Je sais plus ce que j'avais mis. On va mettre à peu près. Hein, de toute façon, on s'en fout. Les passes. Hop. Passe en profondeur lobé. Et... Du coup, les tirs, entraînement de loin, ok, tout simulé, voilà, on est bientôt titulaire, mais on va commencer remplaçant, ça c'est super. En tout cas, je pense, vous me direz en commentaire les gars, qu'est-ce que vous auriez choisi, peut-être que vous seriez allé à la Juventus, au Barça, ou encore à Manchester United. Moi j'ai choisi Chelsea au final, je crois que United ils sont en dessous de nous, et ouais, Aston Villa premier, putain. Incroyable. Manchester United 9e. Non, mais je suis content. Je suis content d'avoir pris Chelsea. Je regrette pas. Je voulais juste... Ouais, voilà. C'est ça que je cherchais depuis une heure. Le calendrier. On a du coup... Putain, ouais, on a fait nul contre les Wolves. On a gagné 3-0 City. Et on a gagné 2-0 face à Watford. Oh, regardez-moi ça, les gars, ce qui nous attend. On va jouer la Ligue des Champions. Du coup, dans le jeu, ils ont réussi quand même à se valider la participation, on va dire. Alors qu'en vrai, vous connaissez, ils ont aucune compétition, il me semble, hein, cette année. Ils ont fini milieu de tableau.
En tout cas, tant mieux. Hein. On va affronter Liverpool, on va affronter Dortmund, Newcastle en coupe. Oh putain, ça va être bien. Ça va être bien. On a l'air d'avoir un gros groupe en LDC. Attention, c'est dans pas longtemps. On va finir 16 heures, les gars. On se retrouve dès que ça finit. Ok, les gars, on arrive donc à la fin de ce temps. On va. Je voulais voir ouais, les infos aussi. On n'a pas regardé, autant ils ont mis quelque chose. Donc, on n'est pas dans les joueurs du mois, c'est logique. L'équipe fait une offre pour Jeffreys. On a quoi d'autre? Atlético Bilbao. Et après, on n'a rien d'autre. Jeffreys a signé, du coup. Le club a annoncé l'arrivée de son nouveau attaquant en la personne de Jeffreys. Sa toute première, dernière, ok, recrue, comme l'indiquait la presse nationale. Le club a pu faire affaire avec ce joueur, un attaquant très prisé pour renforcer son effectif. Jeffreys a finalement signé au terme de longues négociations et l'opération aurait rapporté 98 600 000 euros à son ancien club Venezia. Franchement, les gars, ça va les renforcer. Autant on revient, ils sont premiers avec Mbappé en attaque. On verra ça, mais franchement, je suis content. Je pars pas sans rien leur laisser, on va dire. Ça fait plaisir. Et voilà. Ok, mon numéro 28. On verra un petit peu ce qu'il y a disponible. Je sais pas si je vais le garder. Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit peu simuler déjà. Pas trop, parce que je voulais regarder notamment les attaquants de l'équipe. Accueil équipe. Alors, en attaquant, on commence d'ici. Broja, Fofana, Conway. Don Vionnel, ok. Oba, bon, on sait qu'il joue pas. Ah, mais il raccroche les crampons à la fin de cette saison. Putain, ça va être sa dernière saison. C'est triste. On a Lukaku au club depuis 2021. Donc, ouais, c'est vrai qu'il est prêté. Donc, ils l'ont fait revenir. Pour l'instant, il n'a pas l'air de partir. Et c'est tout, ok. Ok, ben, je peux largement lui prendre la place à Lukaku, je pense. On a Kepa, on a quoi comme gros joueur? Edouard Mendy, qui est toujours là. Est-ce qu'il va partir? On ne sait pas. Il est parti en Arabie Saoudite en vrai, mais là c'est ça a pas l'air d'être son cas. Cucurella, ok. Nachos, d'accord. Nacho, pardon. Nacho, c'est la chips. Chaloba qui est prêté, ok. Koulibaly, Thiago Silva, Badiachile, Wesley Fofana. En termes de défense, on a ce qu'il faut, ça c'est sûr. Pembele, Rhys James qui est là, le capitaine. 23 ans seulement. N'Golo Kanté toujours là. Mudryk. Ok. Ensuite, Enzo Fernandez. On va avoir un gros milieu apparemment aussi. Havertz. Loftus-Cheek aussi, j'ai pas vu. Pulisic, Sterling, Madueke, Berardi. Et après le reste, on a vu. Franchement, c'est une bonne équipe. C'est pas les Galactiques, on va dire, mais c'est une équipe qui a du potentiel et qui peut tout gagner. Je suis là pour ça de toute façon. On va donc simuler. Salah qui a pris le trophée du joueur du mois. Je pense qu'on va se faire un petit match, les gars. Et on s'arrêtera là-dessus. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Chelsea-Liverpool en tant que remplaçant. Ok. On a peut-être l'occasion de passer premier si Aston Villa se trouve. Et du coup, ah ouais, c'est deuxième contre premier directement, j'avais pas vu. Même nombre de points. Ça nous a pas réussi à Venez, à ça. On verra si ça nous réussit ici. Ok, ben on y va les gars. Ok les gars, du coup 0-0, je rentre à la 61e, donc il reste énormément de temps. Et ça va être du coup à moi notamment de changer la donne. C'est pour ça qu'il me fait rentrer. En tout cas, très grosse équipe. Kepa, Rhys James, Thiago Silva, Koulibaly, Nacho, Chilwell, N'Golo Kanté, Enzo Fernandez, Berardi à droite, Sterling à gauche. Et donc, je rentre en pointe à la place de Lukaku. Très grosse équipe de Liverpool aussi. On y va, les gars. Ma première rentrée est vraiment pas la pire du monde. Hein, parce que rentrer à la place d'un joueur comme Lukaku, à Stamford Bridge en plus, à domicile. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Allez. Putain, j'avais déjà oublié la caméra pro, je vais pas vous mentir. En tout cas, on défend directement sur corner. Et je m'impose, c'est pas fini. Attention! Oh là là! Le bel arrêt de Kepa. Attention au corner. Allez. Je fais pas avoir, les gars. On est tous ensemble. Ok, c'est bon. Mon premier ballon. Mon premier ballon.
La petite passe, pourquoi pas? Allez, vas-y frérot. Vas-y Sterling, qui me la met? Mon premier ballon, oh le poteau, ça revient. Oui! Et le but, quelle action les gars, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour qu'on marque. Incroyable. Domenico Berardi qui vient conclure cette action que j'ai mise sur le montant. Je suis dégoûté, il me l'a très bien mis Sterling. Et il m'a poussé un petit peu derrière, ça m'a déconcentré. Du coup, je la mets sur le poteau, mais Berardi qui vient suivre. Ça fait plaisir d'avoir des attaquants, les gars. Incroyable. Scénario de rêve, franchement. Là, c'est parfait. 1-0, du coup. 64e minute. C'est magnifique. Allez. Anticipé. Il est tout seul. Non, la passe. C'est quel arrêt encore de Kepa. Attention au centre. C'est pas fini. Ça revient en retrait. On l'encaisse. Putain. C'est pas possible, il poussait là depuis qu'on avait marqué. C'est Luis Diaz qui vient marquer. Putain, les gars, ils ont une équipe de fou. Il y a Goretzka, notamment. Et là, putain, c'est passé avec un petit compte, ça revient et il finit. Allez, les gars, on peut. Bien joué, Berardi. Je croise mon appel, elle est superbe ta passe. La petite semelle pour pouvoir revenir intérieur. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Le bel arrêt. Attention, oh la passe de fou furieux, mais Kepa, infranchissable. J'y vais sur le côté, j'ai du champ les gars. Ok, je suis passé, encore, le petit décalage, bien joué. Allez, encore, c'est pas fini. Bien joué. Encore, je contourne tout pour pouvoir frapper. Oh là là, non, je pense que là, j'ai bien fait de pas leur mettre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, je suis passé face à Fabinho. Le duel du match. Le duel du match. Le duel du match. 91e minute. C'est même plus le scénario de rêve. C'est le scénario le plus féerique du monde. Incroyable. Oh, ce qu'il a pris là, Fabinho. Il a voulu jouer le défenseur central. Il n'a pas compris là-dessus ce qui lui est arrivé. Et après la finition chirurgicale, le petit ballon comme je l'ai fait. Très souvent à Venise, à rater. Je savais que ça allait passer. Alisson battu. Magnifique, les gars. Mais on passe des joueurs inconnus à des joueurs incroyables. Et en plus, je marque contre eux. Donc, c'est magnifique. Premier but en un match. Avant, c'est pas une passe D, hein, parce que c'était un tir. Mais en tout cas, je suis impliqué sur les deux buts. Lukaku a du souci à se faire. Allez, encore la récupération. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour le troisième? Pourquoi pas pour le troisième? Pourquoi pas? Oh là là là, je me suis raté. J'ai hésité, je pensais qu'il allait sortir. Je voulais tenter une balle piquée. J'aurais juste dû tirer fort là-dessus. Putain, il passe pas loin en vrai, mais j'aurais dû le mettre. C'est pas grave, on gagne. Heureusement pour nous, je m'en serais voulu. Et du coup, ça finit là-dessus. Normalement, voilà. 2 buts à 1. Berardi et Jeffreys. Face à Luis Diaz, en tout cas, ils auront attendu ma rentrée pour pouvoir débloquer toutes ces situations. C'est magnifique ce qu'on a fait. Incroyable. Franchement, ça fait plaisir. Ça, c'était un bon match, les gars, vous voyez. C'est pas comme en série B, là, ça va dans tous les sens. Arsenal qui s'est imposé. Et je crois que Manchester United a gagné face à Aston Villa. Donc, ce qui veut dire qu'on passe devant, en plus de Liverpool. Aston Villa, donc normalement, mesdames et messieurs, nous sommes premiers. Et en plus, Ligue des Champions pour la prochaine vidéo. Vous pouvez pas rêver mieux. Incroyable. On va juste voir le classement de Première Ligue. Voilà, d'ailleurs, notre poule en Ligue des Champions, Dortmund, Benfica et Hajduk Split. Ok. Ok, ben, c'est varié. Et du coup, je voulais voir en première ligue. Voilà, nous sommes premiers. Magnifique. Avec 10 points. Les seuls à 10 points, c'est nous. Franchement, c'est cool, les gars. Ça fait plaisir. On va s'entraîner juste avant de nous quitter parce que je vais oublier sinon. Mais en tout cas, gros programme pour la prochaine vidéo, l'épisode 13. La Ligue des Champions. Avec du coup, ce choc face à Dortmund, hein, il me semble. C'est ça, ouais, Dortmund. Magnifique les gars. Écoutez, j'espère que mes choix vous auront plu.
également que la vidéo vous aura plu en elle-même. Merci à tous les gars, likez, partagez, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine.